entendu par la fenêtre. Cucu. Ah, mais c'est, je crois que c'est le Père Noël. J'avais découvert ces pierres. C'est comme une grotte, elle est bouchée en fait. Elle est creusée. C'est quoi ça? Y'a rien. Ok. Et puis après, bah, je vais aller acheter une moto. C'est pas. Je vais aller à la ville, ok? Y'a un oiseau. Bon, alors. Bon, ok. C'est quoi ça? C'est qui? C'est pas possible. Il manque du matos, ça. C'est exactement ça. Comment ça se fait qu'il a encore vie? Mais hop, hop. Action, Mickey. Qu'est-ce que tu fais là? Je crois que t'étais mort. Assis-toi, ferme-la. Hop, je te mets un scotch sur la bouche. Voilà. Qu'est-ce qu'il a derrière? Tu veux que je te tue, toi? Non, tu veux pas. Ah bah alors tais-toi. On a un problème. Putain. Allez. On va appeler les autres. Ah. Tu te mets toujours des affaires qu'il faut pas, toi. Hein. Voilà. Tu te mets toujours des affaires qu'il faut pas, hein. Bon. C'est bon, vous êtes là, les gars? Ok. T'as de la chance qu'ils sont encore partis, hein. Tu m'as trahi une fois, bah voilà. Maintenant, on va voir qui est le plus malin. C'est quoi? On va faire encore mieux. Allez. Hop! On va faire mieux. Hop. Voilà. Hop, je t'attache, je t'enlève le scotch. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi toi tu m'as trahi? Comment ça, tu parles de toi? C'est toi qui m'as trahi. C'est plutôt toi qui m'as trahi en balançant le chroma que j'avais strictement. T'as tué tous les axolotes. Je croyais que t'étais mais du bon côté, mais non, hein. Oui, c'est plutôt l'inverse. Je me suis fait beaucoup de peine pour toi avant, et voilà ce que tu m'as fait. Oui, c'est plutôt toi qui m'as balancé dans le scrum. Ouais. On savait pas ce que ça faisait. Et après, t'as voulu me tuer, hein. T'as tué tout le monde. T'as tué des gens qui n'avaient rien fait. Sors des preuves. Le petit axolote. Lui, il était pas dans l'histoire. T'as voulu me tuer dans l'arbre, hein, tu t'en rappelles. Ils essayent juste de me faire tomber, ces gens-là. C'est pas la même chose. Mais t'as qu'à quitter Lio et tout se passera bien. C'est à cause de Lio que t'as des problèmes. Non, c'est plutôt l'inverse, je pense. Non, c'est pas plutôt l'inverse. Avant, je n'étais pas avec Lio, j'ai rejoint le RDL, puis tout s'est bien passé. Puis maintenant, on a réussi à faire de grandes choses avec Lio maintenant. Ouais, des grandes choses. Dans ce chrome. C'était pour t'arrêter. Et moi, je peux pas te balancer dans ce chrome. Malheureusement, il n'y en a plus. Mais il y a autre chose. Quoi? Qui est juste ici. Tu parles de quoi? T'as qu'à venir là. Allez, viens. C'est quoi ça? Voilà ce que je cherchais. Tu connais ça déjà, tu connais. Ah oui, je la connais. Et t'as qu'à balancer dedans si c'est ça ton projet. Vas-y, balance-moi dedans. C'est sûr. Ce que tu veux. Car l'agressivité de ces créatures ont fait qu'augmenter ces dernières mois. Mais comment bien sûr, je vais bien. Je sais beaucoup t'as de choses. Tu sais que quand Lio devait bien se réfugier quelque part, à la base, Lio, pour quand les 7 étaient partis, l'ORDL et tout, ils ont fait beaucoup de choses pour Lio. Ouais, le RDL, ouais. Celui qui voulait arrêter les 7. Les 7, eux, ils voulaient le bien. Toi, t'étais contre, même. Bien. J'étais pas contre. Ah si, tu t'en rappelles, avant que je te balance dans le chrome, hein. Oui, ça, je m'en rappelle très bien, mais ça, c'est de ta faute. Comment ça, c'est de ma faute? Tu m'as balancé dans le chrome alors que parce que tu avais tué tous les axolotes, t'étais dans le camp de Lio. Les Lio, là, je te rappelle, c'est les ennemis. J'étais... de l'ORDL. L'ORDL a absolument rien fait. Lio, après, a déréglé la machine pour leur opinion personnelle qui ne me regarde pas. Moi, je suis juste chef de projet de ce truc-là. Et chef de surveillance. Tout ce tu devrais le fermer. Ça provoque beaucoup de pagailles en ville, hein, je te rappelle. Il y a des gens qui tombent alors qu'ils ne veulent pas. T'as qu'à le fermer et l'histoire sera réglée. Oui. Je sais même pas comment vous avez fait pour faire ce truc problème. Oh, on a trouvé la solution, mais maintenant,
cette toute nouvelle île, ce contrôle absolu de Geno, va pouvoir nous aider dans nos recherches, enfin dans ses recherches. En tout cas, moi, ce n'est pas mon problème. S'il se passe un truc, ce n'est pas mon souci. Moi, je m'occupe juste de ce qu'il y a derrière toi pour essayer de trouver des solutions aux problèmes d'espace en ce monde. C'est tout. Mais toi, dis-moi le nombre de fois où je t'ai menacé et essayé de te tuer. Je sais pas, plein de fois. Surtout pendant qu'il y avait le chrome. Hein. Cite-moi en une. Une, quand t'as essayé de tuer le petit Axel, avant le chrome, tu te rappelles. Avant le chrome. Qu'il me balance dans ce chrome. 0 fois. Voilà. Le chrome m'a totalement, si tu savais ce qu'il m'a fait. Mais tu es avec Lio. Et même là, la preuve, tu vois. Tu es avec Lio. Et Lio, c'est les méchants. Je sais pas si tu le savais. Je suis avec Lio à cause de qui, à ton avis? De quoi? De Dark Vador? Si tu m'aurais pas balancé dans ce chrome, je serais pas avec Lio. Ouais, Lio m'a enlevé déjà depuis longtemps. Lio a trouvé une solution contre ce chrome. Et quand tout a explosé, le chrome s'est enlevé. Puis avant que je te balance dans ce chrome. Tu te rappelles, tu travaillais quand même avec l'ORDL, hein? Oui, l'ORDL. L'ORDL, je n'avais aucune chance, je ne savais pas. L'ORDL, je pensais que c'était une organisation normale. Je pensais pas que c'était Lio, c'était juste l'ORDL. Si tu m'aurais pas balancé dans ce chrome, peut-être que je serais avec ma vraie famille. Ouais, mais maintenant, là, on pourrait arranger maintenant, les choses. Oui. Tu pourrais quitter cette foutue et oublier toute cette histoire, alors. Non, je ne la quitterai pas, c'est elle qui m'a sauvé de ce chrome complètement T'as sauvé pour être méchant et tuer des gens. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai tuées dans ma vie. Oui, tu as tué des méchants, mais maintenant c'est des gentils que tu tues, c'est ça? À ton avis, combien de personnes j'ai tuées dans ma vie? Je sais pas, aucune idée. Beaucoup, je parie. Une. Une? Oui, une. Ouais. J'ai tué une seule personne. J'ai tué ce type-là. Je sais plus comment il s'appelle. De quoi? Il ressemblait à... Bref, peu importe. En tout cas, depuis que tu m'as placé dans ce chrome, les choses ont changé. J'étais possédé par ce chrome. Ce chrome m'a complètement brûlé et chromé. Enfin, c'était horrible. Ça, c'est ta faute. Je n'hésiterai pas à te tuer car tu as gâché ma vie. Comment ça, j'ai gâché ta vie? Là, t'es plus en chrome. Et quand, en plus, t'aimes Lio, hein, maintenant, donc c'était pas... Grâce à qui pas gâché. J'étais plus en chrome? Grâce à qui je suis plus en chrome, à ton avis? Je sais pas, Lio? Lio, exactement, parce que Lio, eux, ils m'ont sauvé. Puis j'ai repensé à qui m'avait vraiment balancé dans ce chrome. Moi, c'était pour une bonne raison. Oui, bonne raison, cite-moi la raison. T'avais tué tout le monde, hein? Je t'en rappelle. Ah oui. Et puis tu faisais déjà partie de Lio. Tu as des preuves de ça? Oui, alors, où sont tes preuves? Là, ils sont pas là, parce que ça fait longtemps. Parce que t'en as pas. Tu crois qu'à ton avis, qui est le plus responsable entre Gatom et moi? C'est vrai. Mais bon, maintenant, les choses ont changé. Où est ce... Ah, elle est là. Maintenant, il est temps de te renvoyer dans l'autre monde. Hop, le scotch. Alors, tu as décidé de me trahir une fois. Je vais te couper de ton monde. Allez. Tu m'as coupé du mien, je vais te couper du tien. Allez, hop, comme à l'ancienne, Axo. Et c'est parti. C'est normal. Alors maintenant... Oh non, pas cet endroit. Le RDL, il est toujours là. Garde, c'est normal. Cette personne est avec nous. Bon, lève-toi là.
J'ai besoin de faire des expériences maintenant que je suis... que mes supérieurs m'ont dit. Alors attends, d'abord il faut que je prenne ce fusil à pompe. Approche-toi. Parfait. Contre le mur. Ok, ok. M'en occupe, garde. Attends, je vais régler. Ok, parfait. Bon, alors, Axo, tu m'as fait souffrir. Maintenant, à moi de te faire souffrir. Alors. Non. Non. Comment ça, tu vas me faire souffrir? Hop, ouvrez les grilles. Oh non. On a bien avancé depuis la dernière fois. Relève-toi. Oh non, pas cet endroit. Grimpe. Faut que je la rouvre. Reste là-dedans. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais te montrer ce qu'on a fait, puis après je vais faire une expérience. Non. Puis la dernière fois, on a bien avancé. Tu nous as donné beaucoup de recherches. On a réussi à trouver la source de problème. Et elle venait de là-bas. C'était là-bas où tu t'es fait attaquer. On a donc décidé de tout rebarricader de A à là-bas. Bien sûr, le système, on a avancé dans ces endroits. Sérieux, on a emmené des gardes car on a vu que c'était vraiment, vraiment le Beans. Et on est donc maintenant un peu plus en sécurité, si on peut appeler ça comme ça. Mais on doit faire des expériences, donc on va aller les faire tout de suite. Si on va aller donner du expérience. Matériel. Écoute. Tu pourras dire à ton petit lama, puisque ça sera le seul que tu verras dans cette expérience. Alors, je vais te donner les clés de ce véhicule. Ne tâche de rien faire, il y a des caméras et il y a taux guidage. Donc si tu fais une erreur ou tu ne vas pas à l'endroit dit, la voiture reprendra le contrôle et s'arrêtera. Tu peux prendre place. Parfait. Tu vas rester avec moi? Non, je ne vais pas rester avec toi. Là, en fait, donne-moi le contrôle. Ça va aller plus vite. On va aller charger du matériel et tu vas partir après. Écoute. Ok. Écoute quoi? C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que je comprends un peu ce que tu ressens. Que le chrome t'a fait subir. Et que quand je me mets un peu à ta place, je ressens ce qu'il t'a fait. Donc, je pense que Gatom n'avait pas tout à fait raison sur le contexte que tu sois le méchant. C'est seulement maintenant que tu te rends compte. Ouais. C'est vrai, ouais. Alors... J'ai aucune preuve. On a un peu tout ce qu'il y a besoin. C'est quoi ce truc? Ouais, ça on en aura besoin. Bon, je vais tout mettre dans la boîte là. Allez! En route! Et c'est qui lui? Non, le touche mec pas Lama. Oh, je trouve. Il a rien demandé. C'est qui toi? Hey, on va te faire fourrer! Ah oui, des menaces. Je suis au courant que tu n'es pas en position de parler là. Non. C'est bon. C'est mieux pour toi. Allez, prends place. Bon, écoute. C'est bon, j'ai déjà tout chargé.
Tu vas aller là-bas tout droit. Tout droit. Tu vas tourner à droite. À gauche, pardon. Tu vas tourner à gauche dès que possible. Tu peux me faire une caméra? Ouais. Fais-moi... Attends, prends une caméra. Alors, prends cette caméra. Ouais. Voilà. Ouais. Mets cette caméra sur le... Sur ça. Sur le véhicule? Voilà. Fais ta caméra. Ouais. Parfait. Alors. Hop, c'est parti. Je te donnerai les instructions en temps réel. Bon, c'est bon? Ouais. Prêt? Tu vas voir ce que c'est. Allez. On va livrer le matériel tout droit, tu peux avancer, je vois sur les caméras là, je vais m'y mettre. Vas-y. Tout droit? Alors, ouais, tout droit. Attends. Stop-toi là. Que je détecte un truc. Tu peux... Attends, je sais pas où t'es. Tourne à gauche. À gauche? Oui. Ici. Tout droit. Tourne à droite maintenant. Ici. Voilà, avance, ouais. Tu veux que j'aille où? Tu m'amènes où? Tout droit. Ici? Ici, ouais, c'est pas mal. Là. Je continue. Arrête de voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Table. Continue. Tu es où? Je sais pas. Là, continue tout droit. Qu'est-ce que... C'est fermé. Je sais pas. Non, n'y va pas. Oh, là-bas. Là-bas? Ouais. Où c'était le quartier où t'étais allé? Je sais pas. Gauche, va à gauche. Là? Voilà, là c'est quoi là? Avance. C'est quoi cet endroit? Je te reçois plus. Prends le matériel et va le mettre au sale bleu. Que tu m'entends. Sale bleu? Est-ce que tu... Hein? Allô? Tout seul perdu ici. Matériel... C'est énorme. C'est grand ici. Salle bleue, c'est... Ouais. Où je me suis mis, quoi. C'est quoi cet endroit? C'était quoi ce bruit? Y'a une personne. C'est quoi ce vrai? C'était des tirs. C'est quoi ça là-bas? C'est une personne. C'est pas une personne. C'est pas une personne. Je cours. C'est quoi cet endroit? Oh, c'est quoi ce bruit? Il est tout près. Je cours. Derrière moi. Je rentre, c'était où déjà? La voiture, tant pis.
Oh non, c'est tout près. Oh, là-bas. Oui. Vite, faut que je rentre. Il est là. Oula. Hello? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une communication coupée. Je me suis fait poursuivre par une chose, je sais pas ce que c'était. Un mec. Ah. Je sais pas, ça faisait un bruit atroce. T'as bien filmé? T'as bien filmé? Ouais. Tiens. Merci. Ouais, j'étudierai l'audio. Alors, je suis au passage où j'étais en train de te dire, je vous reçois plus. Ouais. Oh, oula, oui. Ah oui. Non, je serais. Ok, je vais étudier ça. Bon, malheureusement, tu as survécu. Comment ça, malheureusement? Bref. Est-ce qu'on pourrait pas s'arranger pour qu'on ne se déteste plus? Qu'est-ce que... Hein? Non, rien, j'ai cru voir un truc. Bref. Qu'est-ce que tu avais à me dire? On pourrait s'arranger pour qu'on arrête de se disputer, tout ça. Je ne me dispute pas, c'est juste que tu as fait quelque chose qui... Tu as commis l'irréparable. Cette chose, je vois la vraie face de cette chose, de ce que tu as vraiment subi. Donc. Je comprends pourquoi tu es comme ça. Oui, quel est ton plan alors? Je n'ai aucun plan. Je veux juste qu'on soit réconciliés. Je sais que ça ne va certainement, même si on se réconcilie, ça ne va pas tout de suite se faire comme ça. Je sais. Ça va pas arranger les choses. Pas tout de suite. Mais on pourrait... Pour la phase 1, je veux bien.